Putain, Franck, mais qu'est-ce que c'est que cette chemise? C'est quoi le dress code? Pantalon, chemise noire. Ah, j'ai pas de chemise noire, moi. Sérieux? T'es musicien et t'as pas de chemise noire? Bah, t'as vu le prix que ça coûte? Moi, j'ai préféré investir dans une bonne guitare. Bah, t'as eu tort. Parce qu'une chemise, au moins, t'aurais su t'en servir. C'est quoi le dress code? Je sais pas. Il faudrait qu'on se cale sur la robe d'Aurélie. Et de quelle couleur, ta robe? Jaune moutarde avec des petites fleurs marron. Il y a des traits turquoises, des tout petits points rouges. Et sur le bord, il y a des traits un petit peu dorés avec de la bande blanche. On ne se cale pas sur la robe d'Aurélie. Faudrait qu'on ait tous des chaussures à paillettes et qu'on soit habillés tout en blanc. Hors de question. Pourquoi? Parce que je te dis que non. La semaine prochaine, je veux bien, mais là, pantalon blanc, c'est pas négociable. Bon, moi, j'aime bien. Moi aussi, hein. Mais 25 jours par mois. C'est quoi le dress code pour le concert de la soirée privée? Le thème, c'est Star Wars. Ah ouais, cool. Moi, je vis en Luke Skywalker. Moi, j'aime faire des chignons sur le côté, comme Princesse Leia. Mmh. Ah, moi, je vais mettre en Reine Amidala. Mmh. Alors, moi, c'est clair, c'est Dark Vador. Putain. Bon, bah, du coup, il me reste que Maître Yoda. Ouais, Franck, elle est pas passée, cette chemise. Non, pourquoi? Je sais pas, peut-être parce qu'on va jouer. Bah alors, ça se voit pas. Ah, détrompe-toi, hein. T'arrives à distinguer du public une chemise froissée, toi? Non, justement parce que tout le monde les repasse. Oh, vous me saoulez. C'est quoi le dress code pour la soirée du 22? Le thème, c'est le Seigneur des Anneaux. Ah non, non, non. Je prends pas Gollum. Bah, tu fais quoi? J'ai mis une veste, comme ça on voit plus ma chemise. Ok. Et t'as repassé ta veste?